Lorsque tout s'accélère, lorsque la France est défiée, comment la machine de l'État fait-elle face? C'est un sentiment d'angoisse et le sentiment qu'on se trouve dans une spirale infernale dont on ne va plus sortir. Dans le fumoir, au départ, tout le monde s'observe. Le contrat étant, aucune information ne sort du fumoir, mais tout est diffusé à l'intérieur du fumoir. Révéler les enjeux, les décisions, les acteurs et les actes qui comptent. Pour moi, ce qui est évident, c'est que Francky a été sacrifié. Révéler ce qui ne se raconte jamais, c'est maintenant, dans Cellule de crise. La maudite. À gauche. Là, là, là. L'année commence avec les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Elle s'achève par les massacres du 13 novembre. Une année qui fait basculer la France dans une nouvelle ère, l'ère du terrorisme de masse où chaque citoyen devient une cible potentielle. Notre défi, vous emmener dans les arcanes du pouvoir, les lieux les plus secrets de l'État où se prennent les décisions qui comptent au cœur des cellules de crise. Qui sont ces femmes et ces hommes de l'ombre qui agissent auprès des politiques? Quelles décisions prennent-ils? Quelles conséquences sur l'issue de la crise? Les réussites comme les faiblesses. Avec Claire Tesson, Michael Gage, Jean-Marc Philibert, nous vous emmenons à l'intérieur de la machine d'État qui a fait face aux attentats, avec en tête deux questions. En janvier 2015, la France était-elle prête à faire face aux menaces terroristes? A-t-elle tiré les leçons des attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher? Dans le 11e arrondissement, la voiture des frères Kouachi file sur le boulevard Richard Lenoir. Elle s'engage rue Nicolas Appert et se gare devant le numéro 10, l'adresse de Charlie Hebdo. Les terroristes armés de Kalachnikov sont juste devant l'entrée. Ils vont pourtant mettre plus de 10 minutes avant d'atteindre leur cible. Ils ne savent pas où sont les locaux du journal dans ce vaste bâtiment. Ils vont d'abord vers la loge du gardien. Trois agents de maintenance travaillent à l'intérieur. Les frères Kouachi leur demandent où se trouve Charlie Hebdo. Les trois hommes n'en ont aucune idée. Un coup de feu part. Frédéric Boisseau, l'un des agents, est mortellement touché. Les terroristes essayent alors de passer par une autre entrée du bâtiment, au 6 Allée Verte. Ils forcent la porte, tirent un coup de feu sans faire de victime, puis ressortent. Pendant ce temps, un collègue de l'homme qui a été abattu dans la loge se cache dans une petite rue en face de l'immeuble pour appeler la police. Il compose le 17. L'appel arrive à la préfecture de police de Paris, au standard de police secours. En quelques minutes, une alerte est transmise aux patrouilles qui circulent dans l'est de Paris. Le commissaire Jacques Méric dirige les agents qui sont intervenus ce 7 janvier au matin. Ces hommes vont arriver sur les lieux sans imaginer un seul instant qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Individus armés, les coups sont entendus, donc c'est peut-être une agression à main armée dans un établissement bancaire ou industriel, enfin on ne sait pas trop. C'est un peu la mission de la BAC. On envoie la BAC, mais en même temps, on arrive sur les lieux, je dirais, sans trop savoir à ce moment-là la dangerosité de la situation.
Un policier parfaitement informé sur les événements qui vont suivre témoigne. Pour protéger son anonymat, nous avons reconstitué l'entretien qu'il nous a accordé. Tout le monde arrive dans l'ignorance, la fleur au fusil. Le 10 rue Nicolas Appert, ça évoque rien du tout aux policiers qui arrivent sur place. Ils font pas le rapprochement avec Charlie Hebdo, parce que le journal a emménagé il y a quelques mois dans l'arrondissement et les policiers n'ont pas été prévenus. Les premiers policiers arrivés sur place, les policiers de quartier, ce qu'on appelle les primo-intervenants, ne savaient pas qu'il s'agissait du siège de Charlie Hebdo. Et pourtant, depuis des années, on savait que le journal était désigné comme cible par Al-Qaïda. Ça paraît incroyable. C'est d'autant plus incroyable que c'est le cas aussi à la préfecture de police. Personne parmi les fonctionnaires qui sont au travail ce matin-là ne semble connaître l'adresse de Charlie Hebdo, ni les opérateurs de police secours là, qui sont dans cette salle-là, qui sont chargés de répondre aux appels des témoins sur place, donc de décrocher le téléphone, ni même ceux qui se trouvent dans la salle de commandement, cette salle-là qui est chargée de piloter l'ensemble des commissariats parisiens. Au cœur même de l'appareil de sécurité de la capitale, on ne fait pas le rapprochement. Effectivement. Et sur les radios de la police que nous avons pu écouter, on s'aperçoit nettement que personne ne réalise vraiment ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, un opérateur de police secours suggère qu'il s'agit d'une attaque de banque. Un équipage de la BAC, la brigade anticriminalité du 11e arrondissement, est envoyé sur les lieux. La voiture est alors en patrouille avenue de la République, à quelques centaines de mètres de Charlie Hebdo. À ce moment-là, les terroristes parviennent à entrer dans le bâtiment. Mais ils vont mettre encore de longues minutes avant de trouver la rédaction. Ils se perdent dans le dédale de couloirs et d'escaliers et finissent par arriver au troisième étage. Ils pénètrent dans les bureaux d'une société de production, tirent un nouveau coup de feu sans faire de victime. Puis ils repartent dans les escaliers en direction du hall d'entrée. Au même instant, l'équipage de la BAC se gare passage Popincourt à 100 mètres de Charlie Hebdo. Un policier garde la voiture, ses trois collègues se dirigent à pied vers la rue Nicolas Appert. Les terroristes sont toujours dans l'immeuble, la tuerie n'a pas encore eu lieu. Quand ils arrivent sur les lieux, moins de 3 minutes après l'appel 17, ils ne voient rien d'anormal. Ils ne voient rien d'anormal. Il n'y a pas d'agitation, rien de particulier. Il y a seulement deux personnes dans la rue, une qui décharge un camion devant le théâtre et une autre personne qui attend pas loin. L'agent de maintenance qui a appelé les secours vient à la rencontre des policiers. Il est sous le choc, son collègue blessé est toujours dans la loge. Dans l'escalier, les frères Kouachi prennent en otage Coco, une dessinatrice de Charlie Hebdo. Ils lui ordonnent de les conduire à la rédaction du journal. À l'extérieur, l'un des trois policiers de la BAC passe alors un appel radio pour informer ses collègues du secteur. Nous avons pu écouter ce message, le voici reproduit au mot près. Immédiatement après l'appel radio, les policiers entendent une série de violentes détonations. Ils courent se mettre à couvert. L'un d'entre eux se positionne dans l'allée verte. Un autre dans cette rue piétonne. Le troisième, une policière, se met en embuscade au coin de cette rue. Dans le même temps, une patrouille de trois policiers à vélo arrive en renfort depuis le boulevard Richard Lenoir. Les terroristes ne sont pas encore sortis du bâtiment, ils sont sur le point de sortir. Il y a à ce moment-là beaucoup de policiers sur les lieux. Six policiers sont alors prêts à intervenir, mais ils n'ont aucune idée du danger qui les attend. «
Réfugié sur le toit de l'immeuble, un journaliste d'une agence de presse voisine de Charlie Hebdo tourne ses images. On voit les trois policiers en VTT arrivant sur l'allée verte. Ainsi qu'un des hommes de la BAC qui s'est écarté dans la rue avec un témoin. À ce moment précis, gauche, les frères Kouachi sortent sur le trottoir. Voici la scène vue sous un autre angle. Les policiers à vélo se retrouvent presque nez à nez avec les tueurs, qui les prennent alors pour cible. Les trois VTTistes s'enfuient par la rue piétonne. L'un d'entre eux est légèrement blessé, atteint au mollet. Pendant cette fusillade, un seul agent réplique. C'est la policière de la BAC qui s'était postée dans la rue d'en face. Elle ouvre le feu à trois reprises en direction des frères Kouachi qui sont à une quinzaine de mètres. Mais elle ne les touche pas et doit à nouveau s'abriter derrière le mur. C'est pas avec un pistolet automatique 9 mm qui est une arme dangereuse, mais on avait en face affaire à des individus surarmés, entraînés, et les policiers en plus arrivent sans savoir, donc ils ont un temps de retard. Un témoin posté sur un toit a filmé la suite. Malgré les policiers qui les entourent, les frères Kouachi ne se pressent pas. Ils revendiquent l'attentat et prennent le temps de recharger leurs armes. Au même instant, l'agent de la BAC dissimulé dans l'allée verte essaye d'alerter par radio ses collègues du secteur. Un policier de la BAC veut passer un message disant que les deux individus vont monter dans la voiture. En plus, il peut donner la plaque d'immatriculation. Et surtout, il veut avertir ses collègues de ne pas s'engager dans l'allée verte, parce que ça tire sur la police. Mais cet appel vital ne passe pas. Au moment où le policier de la BAC, il essaie de passer son appel radio, en même temps, sur les ondes, il y a plein de messages qui viennent de la salle de commandement de la préfecture de police. Le chef de cette salle pose des questions pour savoir ce qui se passe. Et ce sont ces messages qui sont prioritaires. Ça veut dire qu'ils recouvrent les messages du policier de terrain. Du coup, pour ce policier qui tient la radio, c'est frustrant. Il y en a qui ne sauvaillent pas, ouais. Quand les frères Kouachi s'enfuient par l'allée verte, une voiture de police arrive face à eux. Là, les policiers qui sont dans cette voiture, ils pensent que ce sont des collègues qui arrivent en face. Du coup, ils commencent à faire des appels de phare pour qu'ils se poussent. Et c'est au moment où les terroristes sortent de la voiture qu'ils comprennent. On ne le voit pas sur l'image, mais dans la voiture de police, deux agents ripostent. En pleine marche arrière, ils tirent à travers le pare-brise. Mais les terroristes continuent d'avancer et de faire feu. Un autre policier tente alors de les arrêter. C'est l'un des hommes de la BAC qui est 30 mètres derrière eux. Il tire à deux reprises, sans résultat. Les frères Kouachi s'enfuient par le boulevard Richard Lenoir. Les occupants de la voiture de police sortent miraculeusement indemnes de ce terrible face-à-face. L'un d'entre eux se précipite sur le trottoir et tire, sans ralentir les tueurs. Les terroristes prennent le boulevard à contresens, avant de faire demi-tour en direction de la place de la Bastille. Deux nouveaux policiers essayent de s'interposer, ouvrent le feu, sans plus de réussite que leurs collègues. Il faut savoir que nous, on ne s'entraîne pas au tir de précision. On s'entraîne au tir de riposte. C'est des tirs à 5, 6 mètres. Là, en plus, ça bouge, il y a le stress. Le combat, il est perdu d'avance. Les frères Kouachi s'enfuient alors par l'autre côté du boulevard.
trois gardiens de la paix arrivent à cet instant. L'un d'entre eux s'appelle Ahmed Merabé. Il traverse le terre-plein central pour intercepter les fuyards. Il n'a pas le temps d'utiliser son arme. Les terroristes descendent de voiture et l'abattent à cet endroit. Les frères Kouachi viennent d'assassiner 12 personnes en plein Paris. Ils s'enfuient en fonçant dans les rues de la capitale. Une seule voiture de police est alors derrière eux. Il y a une poursuite qui est assurée par un véhicule qui donne d'ailleurs des éléments très précis sur la direction de fuite. C'est une policière au volant d'un véhicule de transport de détenus qui passait là par hasard. Mais la Citroën noire roule trop vite et la sème, place de la République. Les frères Kouachi vont alors parcourir plusieurs kilomètres dans l'est parisien sans que la police ne les retrouve. Ils ont un tour d'avance, tout simplement. Ils ont un tour d'avance, tout simplement. Les derniers policiers qui les ont vus, je vous rappelle qu'il y en a un qui l'a payé de sa vie. Hein. Donc ils ont pu partir parce qu'ils ne sont pas à vue de la police et qu'il n'y a pas tout simplement de course-poursuite. Même les 1200 caméras de vidéosurveillance parisienne ne servent alors à rien. Dans la salle de commandement de la préfecture, plusieurs opérateurs sont pourtant alertés et cherchent la voiture noire sur leurs écrans. Mais tout va trop vite. La caméra ne permet pas, il n'y a que dans les films qu'on voit ça, la caméra ne permet pas, là, instantanément, de savoir où ils sont pour diriger des forces de police. C'est la limite du système. Pour suivre la Citroën par vidéo, il aurait fallu que les opérateurs la repèrent dès le départ. Sinon, impossible de la retrouver rapidement au milieu du trafic parisien, avec des dizaines de choix de caméras possibles. Les frères Kouachi continuent de foncer dans les rues de Paris. Ils surgissent place du Colonel Fabien dans le 19e arrondissement. Un peu plus loin, ils bloquent un automobiliste pour lui voler sa voiture. Les témoins de la scène voient alors ces hommes en noir, armés. L'un d'entre eux porte un lance-roquettes. Avec ce nouveau véhicule, les terroristes sont anonymes dans la circulation. Ils n'ont plus que 2 km à faire et quittent Paris par la porte de Pantin. Après coup, les policiers se sentent vraiment impuissants face à ce genre d'événement. On n'est pas du tout préparé, on n'est pas équipé, donc c'est pas le casse-pipe, mais presque. Depuis ce 7 janvier 2015, est-ce que les choses ont été modifiées pour l'information des policiers sur ces sites sensibles ? Oui et non. Parce que maintenant, la préfecture de police envoie une liste des sites sensibles de la capitale à tous les commissariats de Paris et de la Petite Couronne. Donc c'est un email interne à la police, c'est ce qu'on appelle un télégramme dans le langage policier. Et sur cette liste, il y a des centaines d'adresses. Il y a par exemple des adresses de synagogues, de sièges de médias, de domiciles de personnalités protégées. Sauf qu'en fait, les policiers sur le terrain nous disent que cette liste, elle est beaucoup trop longue. Si longue qu'il est difficile d'y trouver rapidement une adresse. Et puis surtout, en fait, c'est un fichier papier. Il n'y a pas de fichier informatisé, donc ça serait quand même plus pratique. Ce que révèlent aussi ces événements, c'est le grand embouteillage pour les ondes radio. C'est-à-dire que les messages des policiers qui sont sur le terrain, les policiers qui savent ce qui se passe, ne sont pas prioritaires. Est-ce que là-dessus aussi, les choses ont bougé depuis ? Les policiers de terrain n'ont toujours pas la priorité. Mais ce qu'on sait, c'est que la préfecture de police a passé des consignes à sa salle de commandement pour davantage laisser la parole au terrain. Et ça marche ? Alors, il semblerait que ça marche. Les policiers ont observé une nette amélioration sur les ondes depuis, des échanges radio moins bavards et plus précis. 10 minutes à peine après la fuite des assaillants, c'est le chaos autour de la rue Nicolas Appert. Des dizaines de policiers bouclent le quartier. Les secours arrivés en nombre tentent de soigner les blessés à même le trottoir et de les évacuer vers les hôpitaux parisiens. Le procureur de la capitale, François Molins, est parmi les premiers sur place pour diriger les investigations. En quelques années, ce haut magistrat de 62 ans est devenu le visage de l'antiterrorisme en France.
il a mené les enquêtes sur Mohamed Merah ou Mehdi Nemmouche et sera l'interlocuteur des médias du monde entier après les attentats du 13 novembre. Mais c'est après l'attaque de Charlie Hebdo que le grand public le découvre. Quand je suis rentré dans la salle de rédaction devant les corps de tous ces malheureux, j'ai eu un instant de recueillement, hein, que je garde pour moi. Mais après, il faut reprendre le dessus. Et quel que soit ce qu'on peut penser, il faut être professionnel. Première étape des investigations, l'analyse de la scène de crime. Il y a encore très peu d'informations sur ce qui vient d'arriver. Combien de terroristes? Quel scénario d'attaque? Même le nombre et l'identité des victimes ne sont pas encore connus. Le patron de la police judiciaire parisienne, Bernard Petit, vient en personne superviser les 25 policiers en charge des premières constatations. C'est un moment assez dramatique, lourd, où vous n'avez aucun droit à l'erreur. Tous les enquêteurs, le gars de l'identité judiciaire qui fait un boulot terrible, humainement parlant et en même temps très important. Le gars de la crime qui commence à essayer de comprendre par où ils sont rentrés, comment ils ont fait, pourquoi ils ont tiré tout de suite, comment, etc. Tout le monde se met une pression, tout le monde. L'immense émotion que suscite l'attentat complique le travail des enquêteurs, notamment l'identification des corps. Pour les policiers, ça n'est pas la priorité. Il ne faut surtout pas modifier la scène de crime avant de finir les premiers relevés. Mais à l'extérieur du bâtiment, les journalistes et surtout les proches des victimes exigent des noms. Dans un premier temps, Bernard Petit fait barrage à ces demandes. On a l'officier de sapeurs-pompiers qui veut savoir l'identité des gens au sol, qui sont morts, de façon à pouvoir répondre à coup sûr aux autorités, aux familles. Celui-ci est mort, celui-ci est blessé. Et à cet instant, quand l'officier de sapeurs-pompiers essaie d'obtenir ces noms, pousse un petit peu les enquêteurs à bouger les corps, à regarder les papiers, il est renvoyé. Il est renvoyé en « c'est pas le moment, c'est pas la priorité ». Le patron de la PJ parisienne va pourtant infléchir sa position. Car dans la rue, il tombe sur l'épouse de l'une des victimes de Charlie Hebdo. Cette femme veut savoir, exige de savoir si la personne qu'elle connaît à cet étage est morte ou pas. Et c'est en voyant un peu la détresse de cette femme que je réalise que cette demande est parfaitement légitime et a autant de priorité que la constatation pure, qui est ma priorité naturelle à moi. Le commissaire remonte alors à la rédaction. Et pour gagner du temps, il demande de l'aide à Laurent Léger, un journaliste survivant de Charlie Hebdo. Je vais me tourner vers ce journaliste qui est, entre guillemets, un impliqué, un témoin privilégié de ce qui s'est passé, et je vais lui demander quelque chose, l'indicible. Je vais lui demander de m'aider à reconnaître les corps. Voilà. Et il va accepter. En plus de l'enquête, la police parisienne a une autre urgence à gérer. Elle doit absolument sécuriser le quartier. Il y a, dans des événements comme ça, le risque de surattentat. On pouvait avoir, dans la rue, une voiture piégée. Ça pouvait très bien se concevoir et s'imaginer. Un risque d'autant plus inquiétant que de nombreux dirigeants politiques sont attendus sur les lieux. À commencer par le premier d'entre eux, le président de la République. Ce matin-là, François Hollande se rend très vite rue Nicolas Appert. Il a été prévenu directement par l'une de ses connaissances, chroniqueur à Charlie Hebdo, le docteur Patrick Peloux. Arrivé au journal juste après l'attentat, il a prodigué les premiers soins à ses collègues, puis il a appelé l'Élysée. J'ai alerté le secrétariat du président. J'ai dit « c'est affreux, ils sont tous morts, c'est un carnage ». Je voyais un acte de guerre. Je pense que j'alertais le chef des armées, quoi. Et on m'a passé le président et qui a dit « j'arrive ». Voilà. «
François Hollande quitte l'Élysée trois quarts d'heure après l'attentat. Alors que le quartier autour de Charlie Hebdo n'est pas encore totalement sécurisé. La pression repose alors sur les épaules d'un homme. Le commissaire Alain Giblin, responsable de l'ordre public à la préfecture de police. C'est lui qui est chargé, dans l'urgence, de sécuriser la visite présidentielle. Donc c'est toujours un grand moment de solitude pour un chef de police, de savoir qu'on a le chef de l'État qui arrive, le ministre de l'Intérieur, mais il faut s'adapter. Tous les véhicules, il y en avait de mémoire, je dirais une petite dizaine, ont été tous passés au fichier, ont été, entre guillemets, reniflés par les chiens explosifs. Donc on avait une relative marge de sécurité. Mais jusqu'au bout, Alain Giblin va avoir des sueurs froides. Juste avant l'arrivée de François Hollande, on l'avertit d'une information inquiétante. Je vois une personne affolée qui vient vers moi, me dit « Écoutez, vous êtes de la police. » J'ai vu deux personnes rentrer dans le parking sous le site. On est quelques minutes avant l'arrivée du chef de l'État. Le chef de l'État est annoncé comme partant. On pouvait imaginer que ces deux personnes étaient armées et auraient surgi au dernier moment, et puis en arrosant la foule à des armes automatiques. Alain Giblin envoie une vingtaine d'hommes fouiller les parkings sous l'immeuble de Charlie Hebdo. Le président n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Et je peux vous dire que lorsque j'ai vu arriver mon officier qui ressortait avec ses troupes des parkings quelques minutes, voire quelques secondes avant qu'on m'annonce l'arrivée et la dépose du président de la République au PC Police, c'est des moments de stress. Les policiers n'ont rien trouvé de suspect dans les parkings, même si les deux inconnus n'ont pas été identifiés. La menace est levée quand François Hollande arrive au PC Police, boulevard Richard Lenoir. Le président doit marcher une centaine de mètres pour atteindre la rue Nicolas Appert. Il retrouve sur place le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Le président a été dissuadé de venir aussi vite, mais je pense qu'il a eu raison de venir. On arrive et bien sûr, alors les policiers se mettent à l'endroit des douilles pour éviter qu'on ne vienne marcher à ces endroits-là. Donc ils nous disent pas là, pas là. Pour le président, cette arrivée rapide est un acte politique. Alors que les médias sont déjà présents en masse, il est le premier à s'exprimer sur l'attentat. Il y a une attente quand même très forte d'informations. Et donc on se dirige avec lui vers les caméras et il prend la parole. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc. Montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient. Incarner une France qui résiste, mais à quel prix? Pour le procureur de Paris, une chose est sûre, le risque de surattentat a été sous-estimé. C'est une erreur parce que quand on connaît les habitudes de ces gens-là, je pense que c'est un vrai risque et c'est quelque chose qu'on n'intègre pas suffisamment dans ce genre de choses. Parce qu'effectivement, un surattentat dans un cas comme ça, ça serait absolument dramatique. Et quand on repense au nombre de personnes qui se trouvaient là, ça aurait été une gravité extrême. C'était pas suffisamment inscrit dans les plans et les raisonnements, mais avec le recul maintenant, je pense que ça le sera. La nuit du 13 novembre, François Hollande s'est rendu de nouveau très vite devant le Bataclan, 20 minutes seulement après la fin de l'assaut. Les mêmes questions sur sa sécurité ont alors été posées dans la presse. L'Élysée a assuré que la protection du chef de l'État avait été garantie à 100%. Dans moins d'une heure, débute à l'Élysée la première cellule de crise au sommet de l'État. François Hollande revient juste de la rue Nicolas Appert avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce que vous parlerez aux Françaises ce soir ?
les poids lourds du gouvernement les rejoignent. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Laurent Fabius, celui des Affaires étrangères. Ou encore la garde des Sceaux, Christiane Taubira. D'autres personnalités moins connues du grand public sont également convoquées. Le général Denis Favier dirige la gendarmerie. Jean-Marc Falcon, la police nationale. Au centre, un maître espion, Patrick Calvar, patron de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Ses services, 3500 fonctionnaires, sont en première ligne dans la lutte antiterroriste. L'autre grand dirigeant du renseignement français arrive à son tour. Bernard Bajolet, spécialiste du monde arabo-musulman, numéro 1 de la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Ses 5000 agents surveillent le monde pour défendre les intérêts nationaux. Ces hommes vont devoir rendre compte d'informations sensibles. Conseillers influents et hauts fonctionnaires complètent le tour de table. 20 personnes en tout réunies autour du chef de l'État. Le contenu de tels échanges reste habituellement secret. Là, on est au cœur de cette réunion. C'est la première cellule de crise au sommet de l'État. Elle commence moins de trois heures après l'attaque. Que savent, que disent les chefs du renseignement ? Eh bien, regardez, ils sont là, installés en bout de table. Patrick Calvar, le patron des services intérieurs, et à ses côtés, Bernard Bajolet, le chef des services extérieurs. À ce stade, ces hommes restent très prudents. Est-ce que les attentats ont été commandités par Daesh ou par Al-Qaïda ? Est-ce que ce sont des djihadistes de retour de Syrie ou des gens qui se sont autoradicalisés ici, en France ? À cette heure-là, en tout cas dans ce qu'ils disent, ça reste très ouvert. En ce qui concerne l'enquête, est-ce qu'il y a un participant qui va livrer un élément déterminant à ce moment-là ? Oui, alors cette fois, ce n'est pas un patron d'un service secret, c'est le préfet de police de Paris, Bernard Boucaut. C'est lui qui va livrer des précisions sur la carte d'identité qu'ont trouvé les enquêteurs dans la voiture abandonnée par les terroristes. La carte d'identité de Saïd Kouachi. Oui, c'est la carte d'identité de Saïd Kouachi. Et le préfet explique que cet homme est originaire de Reims, qu'il est passé par le Yémen et qu'il est probablement lié à Al-Qaïda. Donc il y a une piste Al-Qaïda. Est-ce que les chefs du service de renseignement rebondissent ? Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là ? Du coup, ils en disent un peu plus. Oui, effectivement, Al-Qaïda, c'est sans doute la bonne piste pour deux raisons en particulier. D'abord, Al-Qaïda a besoin d'un coup d'éclat dans sa concurrence avec Daesh. Et puis ensuite, depuis toujours, en fait, Al-Qaïda était en pointe contre les caricatures. Il y a les politiques aussi, hein, de chaque côté de la table. Alors on imagine que François Hollande prend la parole, évidemment, mais est-ce que d'autres politiques s'expriment eux aussi ? Alors oui, bien sûr, ils prennent tous la parole, mais il y en a un en particulier, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui va aborder une question très sensible. Il glisse simplement quelques mots, il s'interroge sur les critiques qui pourraient venir quant à la protection des organes de presse, et en particulier celle de Charlie Hebdo. Et que répond François Hollande ? Alors le président, qui a été sur place, hein, fait quand même remarquer que deux policiers sont morts pour protéger Charlie Hebdo. Ouais, l'enjeu est important. Derrière, il y a une question clé. A-t-on bien évalué la menace ? Dans la campagne normande, une victime des attentats de janvier est persuadée que la menace a été gravement sous-évaluée. Ingrid Brinsolaro est la veuve de Franck Brinsolaro, le garde du corps de Charbes. Le couple s'était marié il y a juste 3 ans et avait commencé à restaurer cette vieille ferme. Le 7 janvier, Ingrid apprend l'attentat par les médias. Elle appelle directement le ministère de l'Intérieur. On passe une personne à monsieur et on me dit que Franck est mort. Voilà. C'est pas réel. C'est pas réel, c'est pas possible, quoi. On a une vie. À 10h du matin, on a une vie. Moi, j'avais Franck au téléphone, on échangeait sur les travaux. Il me disait qu'il était en train de boire un café en bas de la rédaction de Charlie. Et 2 heures après, en fait, tout ça n'existe plus. –
moi, ce qui est évident, c'est que Francky, il a été sacrifié. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Quoi. Et je pense que n'importe quel professionnel le savait. Franck Brinceau-Larreau avait 48 ans. Policier d'élite du SDLP, le service de la protection. Il avait servi sur des terrains de guerre, en Afghanistan ou au Congo, escorté des ambassadeurs et des juges antiterroristes. Il protégeait Charbes, l'une des personnalités les plus menacées de France, depuis un peu plus d'un an. Et il se sentait vulnérable. C'était une mission qui était dangereuse. L'une des missions les plus dangereuses, en fait. Au service. Lui me parlait des difficultés, des dysfonctionnements de son service. Et il trouvait le dispo très léger. Il savait que s'il y avait attaque terroriste, il savait que ce ne serait pas avec des couteaux et voilà, que ces gens-là seraient lourdement armés. Ça, il le savait, il me l'avait dit. Et il m'avait dit qu'il n'aurait aucune chance. Le 7 janvier, une voiture du ministère de l'Intérieur vient chercher Ingrid en Normandie et l'emmène à Paris. Elle est accueillie au siège du SDLP avenue Miroménil, où les collègues de son mari tentent de la réconforter. Puis on lui annonce que Bernard Cazeneuve souhaite la voir. Elle arrive bouleversée dans le bureau du ministre et l'interpelle. Je prends la parole et c'est difficilement d'articuler, mais je lui demande comment est-ce que, alors que la menace est connue, réelle, comment il est possible que cette attaque arrive? Voilà. Comment il est possible que deux hommes armés rentrent dans la rédaction de Charlie Hebdo et tuent autant de personnes, dont mon mari? Bernard Cazeneuve répond qu'il est alors trop tôt, qu'il n'a pas assez d'informations. Mais il assure à Ingrid qu'elle aura des explications. Elle les attend toujours. Ingrid Brinceau-Larreau nous dit qu'elle attend toujours. Pourquoi c'est aussi sensible? Mais pour comprendre, en fait, il faut remonter à l'origine des menaces contre Charlie Hebdo. C'est ancien, ça remonte à 2006, à la première publication des caricatures de Mahomet par un journal danois, le Jylland Posten, qui sont reprises par Charlie Hebdo. Donc en fait, à partir de ce moment-là, le journal satirique devient une cible, je dirais même la cible française pour les islamistes les plus radicaux. Il va y avoir un premier attentat contre Charlie Hebdo, entre le 1er et le 2 novembre 2011. Cette nuit-là, Charlie est attaqué au cocktail Molotov. Les locaux sont entièrement détruits. Protection policière, s'il le faut, il le faudra, mais c'est déjà céder aux extrémistes que d'accepter leurs règles du jeu. C'est-à-dire qu'on s'arme de notre côté ou qu'on se protège de notre côté, comme eux vivent comme des paranoïaques. Moi, j'ai absolument pas envie de vivre comme un paranoïaque. Et je sais que j'ai plus de chances de me faire renverser par une voiture à Vélib dans Paris que de me faire assassiner par un musulman intégriste, parce qu'en France, il y en a très peu. Cet attentat serait survenu quelques heures plus tard en pleine conférence de rédaction. Oui, ça aurait pu blesser quelqu'un. Et là, la situation aurait été différente et je réagirais certainement pas aussi sereinement. Mais Charb et les salariés du journal ne vont pas avoir le choix. Ils vont devoir apprendre à vivre sous protection policière. Le journal déménage et à partir de ce moment-là, Charlie bénéficiera d'une garde statique, c'est-à-dire un quart de police présent devant les locaux H24. Donc, il est bien protégé le journal à ce moment-là. Bah oui, et en plus, trois dessinateurs du journal, Charb, Luz et Rhys, sont mis sous protection policière, c'est-à-dire qu'ils ont chacun trois gardes du corps en septembre 2012. Cette menace, elle va prendre un nouveau tour au printemps 2013. Le magazine d'Al-Qaïda, Inspire, publie une liste de 11 personnalités à abattre dans le monde. Et vous voyez là, figure Charb sous son vrai nom, Stéphane Charbonnier. Et c'est le seul Français sur cette liste.
Pourtant, ce dispositif de protection, il va être allégé dans les mois qui viennent. Oui, c'est ça qui n'est pas très compréhensible. La protection de Charb est abaissée à 2 gardes du corps à partir de septembre 2013. Celle de Luz et Rhys avait été levée quelques mois plus tôt. Derrière, il y a un deuxième déménagement du journal. Oui, c'est à l'été suivant, en 2014, que Charlie Hebdo emménage rue Nicolas Appert. Alors au début, la gare statique devant les locaux du journal est maintenue. Mais en septembre 2014, elle est remplacée par une patrouille mobile. Comment expliquer que quelques mois avant l'attentat, la protection de Charlie Hebdo ait été allégée? Laurent Nunez était à l'époque le bras droit du préfet de police de Paris qui a pris cette décision. Mes collaborateurs ont eu quelques réunions avec les responsables du journal où nous avions convenu que la protection statique n'était pas forcément utile telle qu'elle était organisée puisqu'il y avait plusieurs points d'entrée et compte tenu du fait que les dispositifs statiques sont aussi des dispositifs visibles. Donc, protection dynamique, ça permet de surprendre et on tourne à échéance extrêmement régulière puisque de mémoire, je crois que la fréquence des passages, c'était toutes les 30-40 minutes et d'ailleurs le matin des faits, on avait eu deux ou trois passages. Ce choix révèle-t-il une mauvaise évaluation de la menace? La question se pose aussi pour le dispositif autour de Charb. Pourquoi est-on passé de 3 gardes du corps à 2 à partir de septembre 2013? Là-dessus, le règlement est très clair. C'est le ministre de l'Intérieur qui décide de maintenir ou d'alléger une protection rapprochée. De toute évidence, le ministère de l'Intérieur, sur cette question de la protection, il n'est pas très à l'aise. Il faut savoir qu'au début de notre enquête, le ministère de l'Intérieur nous a ouvert ses portes. On a pu réaliser plusieurs interviews de hauts fonctionnaires, mais c'est à partir du moment où on a commencé à poser des questions sur la protection que les portes se sont refermées. Tous nos tournages ont été annulés et le ministre de l'Intérieur lui-même, Bernard Cazeneuve, a refusé de nous répondre. Ingrid Brinceau-Larreau a posé ces mêmes questions aux autorités. Depuis, elle se sent mise à l'écart. Plusieurs cérémonies officielles en mémoire de son mari ont eu lieu sans elle ni ses enfants. Ils n'ont pas été invités. Il va falloir à un moment donné que je rende compte de cette histoire à ma fille. C'est une question de responsabilité et je crois que les responsables doivent dire aujourd'hui que la menace a été sous-estimée, que les moyens n'ont pas été mis en place. Je crois que c'est ce qu'on lui doit. Je crois que c'est ce qu'on nous doit et ce qu'on doit à mes enfants, à ma fille. Pendant ses premières heures après l'attaque de Charlie Hebdo, le ministre de l'Intérieur est propulsé sur le devant de la scène. L'ancien maire de Cherbourg, Bernard Cazeneuve, était jusque-là un membre discret du gouvernement. Il y a 12 personnes disparues, 8 blessées, dont 4 en situation d'urgence absolue. En poste depuis 9 mois, il va devoir faire preuve d'autorité, car très vite, il est confronté aux limites de son administration. À commencer par le secteur le plus important en matière d'antiterrorisme, le renseignement. Dès le début d'après-midi, la traque se centre sur les frères Kouachi. Puisque la carte d'identité de Saïd Kouachi a été retrouvée. Ce nom, Saïd Kouachi, les services de renseignement le connaissent bien. Ce jour-là, à la préfecture de police de Paris, quand on apprend l'identité des tueurs, on voit rouge. Et pour cause, la DRPP connaît très bien Saïd Kouachi. La DRPP, c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Et Saïd Kouachi a été l'un de ses objectifs, l'une de ses cibles. Alors comment expliquer qu'il soit passé entre les mailles du filet? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe au début de l'année 2014. En février, moins d'un an avant l'attaque contre Charlie Hebdo, la préfecture prend l'initiative
de placer Saïd Kouachi sous surveillance. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ils ont des informations sur un voyage de Saïd Kouachi au Yémen, le fief d'Al-Qaïda. Et puis Saïd Kouachi, il est en lien avec des islamistes radicaux, dont certains ont même été condamnés pour terrorisme. Ça fait beaucoup, la préfecture décide de le placer sous surveillance. Donc que se passe-t-il ? Ça veut dire qu'on le met sur écoute ? Oui, mais en fait, les écoutes ne donnent rien. Il y a en fait un décalage entre le profil de Saïd Kouachi et le calme plat qui règne sur les ondes. Les écoutes sont trop lisses, en fait, et il y a quelque chose qui colle pas, quelque chose qui cloche pour les limiers du renseignement. C'est un peu comme si Saïd Kouachi essayait de les semer. Et donc, que se passe-t-il ? Ils décident d'organiser des filatures ? Alors oui, ils vont même organiser des planques devant plusieurs adresses où Saïd Kouachi est supposé habiter, mais en fait, il ne le voit jamais. Il n'habite pas là ? Non, il a déjà déménagé à Reims. Donc, il est sorti du territoire de la préfecture de police de Paris ? Oui, absolument. La préfecture de police, elle couvre la capitale et la petite couronne. Pour les individus les plus menaçants, dès lors qu'on sort de l'Île-de-France, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui a la main. Donc, au printemps 2014, la préfecture communique l'ensemble de ses informations, l'ensemble de ses éléments à la DGSI. Donc, la DGSI est censée prendre le relais. Est-ce qu'elle organise à son tour des écoutes à Reims ? Non. Les écoutes de Saïd Kouachi se sont arrêtées à l'été 2014. Donc plus d'écoutes téléphoniques. Mais est-ce que des filatures vont être mises en place à Reims ? Le 7 janvier, le jour des attentats, la DGSI rédige une note, elle fait remonter ses infos. Ce document, on a pu le consulter, il y a très peu de détails. Et les adresses de Saïd Kouachi sont toutes erronées. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette surveillance a été défaillante. Bernard Cazeneuve est à peine informé de ces dysfonctionnements que déjà la situation se complique sur un autre front. Celui des médias. Elle documente des hommes, des policiers. En France, c'est la première fois qu'une crise d'une telle ampleur se déroule en direct sur les réseaux sociaux et sous l'œil permanent des chaînes d'information continue. Hervé Berrou est le directeur de la rédaction de BFM TV, une chaîne qui va être au cœur des débats sur le traitement médiatique des attentats. Comme on a fait plus de 70 heures de direct consécutif, on a envoyé plus d'une centaine de personnes sur le terrain. Les forces de l'ordre sont immédiatement confrontées à l'omniprésence des médias. Le RAID, le groupe d'intervention de la police, est envoyé à Reims sur la trace des frères Kouachi. Le patron de l'unité, Jean-Michel Fauvergue, est dans le convoi. Les journalistes, nous, on les a vus très tôt, puisqu'on les a vus en franchissant le péage de l'autoroute. Le premier péage de l'autoroute, ils étaient déjà là, sur des motos. Et je me demandais ce qu'ils faisaient là, ces journalistes. Comment se fait-il que ces gens-là nous suivent tels des paparazzi et ne laissent pas travailler tranquillement, au risque de faire capoter les affaires? Et quand on est arrivé sur Reims, le commissariat de Reims, c'était encore pire. On aurait dit un départ du Tour de France avec des journalistes partout. C'était très surprenant. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent par les canaux policiers. Et de fait, nos journalistes à BFM TV, mais les journalistes de nombreuses rédactions audiovisuelles et presse écrite, ont l'information que le soir, il y aura une intervention du RAID à Reims. Ce qui fait qu'au moment où le RAID est en place à Reims, les journalistes, eux aussi, sont en place. Le RAID avance et personne n'arrête les journalistes. C'est ce qui se fait toujours. Les journalistes sont à un moment interceptés et on les met derrière un cordon de sécurité et là, les journalistes s'arrêtent. Et là, de manière assez incroyable, on arrive à cette situation extrêmement étrange et en tout cas inédite de journalistes filmant en direct à la télévision l'intervention du RAID dans cette cité de Reims, cagoulée à plus de 23 heures. Pour les policiers, ces caméras sont un handicap. Elles annulent l'effet de surprise.
La présence des médias pose aussi des questions de sécurité. Les hommes du RAID sont alors à la recherche de terroristes lourdement armés. Les journalistes sont autant de cibles. C'est la première fois dans ma carrière que je fais une perquisition avec des journalistes derrière, avec la télé, quoi. C'est pas une bonne expérience pour moi. J'apprécie pas tant que ça. Pour Bernard Cazeneuve, ces images sont une nouvelle preuve de défaillance de ses services. Ce soir-là, il prend une mesure inédite. Donc dans ce quartier de la Croix-Rouge, ici à Reims, où on voit plusieurs dizaines d'hommes postés devant plusieurs entrées. C'est un moment important. Tous ces responsables, ces hauts responsables, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va les réunir dans une pièce située au rez-de-chaussée du ministère de l'Intérieur. Cette salle, on l'appelle le fumoir. D'habitude, c'est une simple salle de réunion. Là, elle va devenir la cellule de crise. Il y a ces fuites dans les médias. Et ça, Bernard Cazeneuve, il n'aime pas du tout. Il va donc falloir centraliser et maîtriser la communication. Et puis surtout, plus important encore, Bernard Cazeneuve se rend compte que ses propres services ne partagent pas leurs informations entre eux. C'est les éternelles rivalités entre les différentes maisons du ministère de l'Intérieur. Et Cazeneuve constate que chacun essaye un peu de tirer la couverture à soi alors qu'on est en pleine traque. Donc il les recadre? Oui, face à ces grands directeurs, face à ces chapeaux à plumes, comme les appellent certaines de nos sources, eh bien Bernard Cazeneuve va piquer une colère froide. Alors évidemment, c'est une colère calculée, une colère pensée pour asseoir son autorité. En substance, il leur dit maintenant, vous allez travailler ensemble, vous allez partager vos informations et vous sortirez de cette salle uniquement lorsqu'on aura neutralisé les terroristes. Ce qui s'est dit au fumoir reste aujourd'hui encore couvert par le secret défense. L'un des grands directeurs convoqués ce jour-là nous a accordé un entretien exclusif. Jérôme Léonet, le patron du renseignement territorial, le service qui a remplacé les renseignements généraux, les RG. On vient d'une situation qui était une situation qui n'était pas satisfaisante, de cloisonnement, de concurrence. Et je crois que la volonté du ministre de l'Intérieur, dans un moment dramatique, où il fallait absolument montrer à l'opinion publique que tout le monde faisait front, sa volonté, et il l'a marqué à chaque fois lors de sa présence au fumoir, c'était de faire en sorte que toutes les informations soient diffusées. Le contrat étant, aucune information ne sort du fumoir, mais tout est diffusé à l'intérieur du fumoir. Dans le fumoir, au départ, tout le monde s'observe. Puis très rapidement, au gré des messages qu'on peut passer, au gré des informations que chacun donne, que chacun échange, chacun jauge la capacité de l'autre à répondre à une demande, la rapidité avec laquelle on y répond, la sincérité de la réponse. Enfin bref, très rapidement, c'est devenu un lieu d'échange comme je n'en avais que très très rarement connu. Lors de ses premières heures au fumoir, on pilote bien sûr la traque des terroristes. Mais une autre menace est prise très au sérieux. Celle d'un nouvel attentat commis par des complices, des frères Kouachi. Le lendemain matin à Montrouge, en banlieue parisienne, deux policiers municipaux et deux agents de la voirie interviennent après un banal accident de la circulation. Un homme surgit, cagoulé et armé d'un fusil d'assaut. Il ouvre le feu immédiatement. La policière Clarissa Jean-Philippe est tuée. L'un des agents est grièvement blessé à la tête. Son collègue se rue alors sur l'agresseur. Il va être accroché par un agent qui est aux côtés de cette jeune femme et qui va se battre avec lui, et qui va se battre courageusement, sans armes, et qui va quand même le mettre en difficulté. Tant et si bien qu'il est quand même obligé d'utiliser une arme de poing pour se dégager. L'agresseur sort un pistolet et l'agent se retrouve au sol, à sa merci. Par miracle, l'arme s'enraye. «
le tueur fait volte-face et s'enfuit en courant. Dans la bagarre, il va perdre sa cagoule. Voilà. Donc à partir de là, évidemment, on a une description des témoins qui décrivent cette personne, qui nous donne un signalement, ce qui est quand même très très précieux. Et puis en même temps, on a maintenant un élément matériel qui est au sol qu'on va utiliser. L'information remonte au palais de justice de Paris. Pour le parquet antiterroriste, c'est un nouveau front qui s'ouvre. On s'est saisi très vite. Moi, dès que j'étais au courant de ces faits, parce que ça me paraissait hautement suspect, j'ai très vite pensé à la qualification terroriste. J'ai envoyé un magistrat, un observateur, donc le jour même à 8h30 le matin. C'est un sentiment d'angoisse, c'est le sentiment qu'on se trouve dans une spirale infernale dont on ne va plus sortir. Le fumoir va coordonner cette double traque. Trois tueurs sont dans la nature, prêts à frapper de nouveau. La caméra du réalisateur Serge Moati a pu saisir des instants de vie du fumoir pendant les heures qui vont suivre. Dans la salle, une vingtaine de hauts gradés et de conseillers ministériels triés sur le volet. Les frères Kouachi viennent d'être repérés. Ils ont braqué une station-service à 80 km de Paris. Ils sont rentrés pour chercher à bouffer. Ils n'avaient pas d'argent, ils sont rentrés là-dedans armés, ils ont pris la nourriture, ils sont partis. À cet instant, une lutte d'influence s'engage au fumoir. Entre le chef de la gendarmerie, Denis Favier, et celui de la police, Jean-Marc Falcon. On a vu que Bernard Cazeneuve a recadré ses troupes, gendarmes et policiers, pour qu'ils travaillent ensemble. Sauf que, à ce moment-là, Jean-Marc, ça coince encore. Il faut bien comprendre que l'attentat à Charlie, il a eu lieu à Paris. Donc on est en zone police. Ça veut dire que le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcon, lui, il va réclamer au ministre un droit de suite. C'est-à-dire qu'il veut très clairement que ce soit ses troupes, la police, et notamment l'unité d'élite, le RAID, qui continue de traquer les deux fugitifs. Sauf que là, on est en zone rurale, on est à Villers-Cotterêts. On est en zone rurale. En zone rurale, ça veut dire qu'on est en zone gendarmerie. Et du coup, les gendarmes ne l'entendent, eux, mais pas du tout de cette oreille. Ce qu'ils réclament, c'est que ce soit les forces d'élite de la gendarmerie, le GIGN, qui prennent en charge la traque des deux fugitifs. GIGN, force d'élite de la gendarmerie, RAID, force d'élite de la police. Alors, qui va trancher? Comment ça va se régler? Il y a un homme qui va mettre tout son poids dans la balance. Cet homme, c'est lui. C'est le général Denis Favier. C'est le patron des 100 000 gendarmes du pays. Mais surtout, c'est quelqu'un avec une aura extraordinaire. C'est l'ancien patron du GIGN. C'est lui qui commandait l'assaut contre l'Airbus d'Air France à Marignane en 1994. Et lui va convaincre Bernard Cazeneuve de la nécessité de confier le commandement de la traque des deux frères Kouachi au GIGN. Et donc c'est le GIGN qui va prendre en main l'opération? Les ordres de Bernard Cazeneuve, ils sont très clairs. Le RAID et le GIGN doivent travailler main dans la main. Ils doivent se déployer côte à côte dans la traque des frères Kouachi. De le faire. C'est la première fois dans l'histoire que ces deux unités d'élite-là vont se retrouver côte à côte sur le terrain. D'accord, et l'idée, c'est de partir d'ici d'Est. Le général Favier et Jean-Marc Falcon mettent en place ensemble le dispositif de traque. Dès qu'on est prêt, vous êtes d'accord avec les gendarmes. Je vais vous donner le top départ des fouilles, vous me le donnez. D'accord. Si on en se permet, on peut établir quasiment un couvre-feu. Hein. Bon, à part la RN12, les autres sont quand même des axes qui sont tenables, contrôlables. Les deux grands patrons dessinent eux-mêmes la zone de recherche que doivent se partager RAID et GIGN. Des milliers d'hectares de forêt et de petites routes. Des officiers des deux unités coordonnent cette première mission commune. C'est ce qui est demandé. En gros, ça fait un triangle. D'accord. En gros, ça fait la T213 est là. Oui. D'accord. Le triangle en question fouille comme ceci. Oui. Ici, c'est RAID. Ici, oui. C'est GI. Donc, l'axe de séparation, c'est la T973. D'accord. Je vous envoie sur le plan que vous avez. Oui, j'ai vu. D'accord. Et l'idée, c'est de partir d'ici d'Est, ratisser en Ouest. 150 hommes du GIGN sont les premiers à partir. Alors, étant hiver, la nuit tombe relativement tôt. On a devant nous 5 heures. 5 heures utiles, 2 jours, pour fouiller l'ensemble du terrain.
C'est un secteur qui est rural, très boisé, avec des maisons forestières, et c'est un secteur qui est difficile à fouiller. 120 hommes du RAID et du GIPN, le groupe d'intervention régionale de la police, investissent à leur tour la zone de recherche. Alain a pour mission de sécuriser plusieurs villages. On pensait tomber sur quelques irréductibles qui ne voudraient pas ouvrir ou ne nous faciliteraient pas l'intervention. Et finalement, tout le monde, enfin je pense que c'est un intérêt national, donc tout le monde a joué le jeu. Les gens nous ont ouvert les portes, on a fouillé leurs maisons. À la préfecture de police de Paris, l'enquête sur l'agression de Montrouge connaît une avancée décisive. L'agresseur est identifié. Il s'appelle Amédi Coulibaly. On sait que c'est Coulibaly qui est l'auteur de la fusillade parce qu'il est reconnu par un fonctionnaire de police, alors non pas directement, mais au travers du portrait robot qui est établi, ce qui nous permet donc de mettre tout de suite les enquêteurs sur cette piste. Alors c'est au fumoir que j'apprends le rôle d'Amédi Coulibaly et que le RT est mis en alerte concernant ce profil. Le RT, le renseignement territorial que dirige Jérôme Léonet. Le RT peut notamment expliquer qu'Amédi Coulibaly est un ancien de tel quartier, où il avait attiré l'attention à l'époque où il était encore, j'allais dire, seulement un délinquant de droit commun, et où là, on peut essayer de retrouver la trace de gens qu'il a connus, de gens qui l'ont fréquenté. Coulibaly est également connu pour sa radicalisation. Il est en lien avec la filière djihadiste des Buttes-Chaumont, comme les frères Kouachi. Mais l'information va rester secrète. Alors que la veille, le nom des terroristes avait très vite fuité dans la presse, cette fois, rien ne sort. Devant les journalistes, Bernard Cazeneuve détourne l'attention. Aucun élément ne permet à ce stade d'établir un lien entre ces deux événements. La stratégie, laisser les enquêteurs travailler en toute discrétion. Coulibaly lui-même ne sait pas qu'il est très activement recherché. Il va y avoir plusieurs points, plusieurs endroits, des domiciles, des vieux domiciles, des parents, l'ami, la compagne, etc. Il y a plusieurs domiciles à casser, il y a plusieurs colonnes d'assaut à faire. Et donc, oui, je passe au salon fumoir un peu avant pour avoir les dernières nouvelles des autres directions, des autres services, où ils en sont, est-ce qu'il y a eu un élément nouveau, avant que les miens enfilent les cagoules, prennent les boucliers et aillent casser les portes. Mais Amédi Coulibaly est bien caché à Gentilly, au sud de Paris. Il a loué discrètement un deux pièces dans ce pavillon, quelques jours avant de passer à l'acte. La traque autour de Villers-Cotterêts est pour l'heure également infructueuse. Les frères Kouachi ont passé la nuit dissimulés dans un bois à l'extérieur de la zone de recherche. Le dispositif vient d'être allégé. Les hommes du GIGN sont en train de plier bagages quand la traque reprend. On reçoit un appel du terrain en nous disant « Il vient d'y avoir un carjacking au sud de notre zone. » Les frères Kouachi viennent de braquer une automobiliste pour lui voler sa voiture à 30 km de là. L'ensemble du dispositif de la gendarmerie se referme alors sur eux. Les axes de fuite des frères Kouachi sont immédiatement connus. Les hélicoptères partent immédiatement en traque derrière. Et c'est la même chose sur le dispositif routier. Ils vont tomber sur des barrages au fur et à mesure qui vont les conduire vers le secteur de Dammartin. Là, en fait, en l'arrivée sur Dammartin, ils vont tomber sur des gendarmes. Et donc là, ils prennent sur la gauche et se retrouvent dans la zone industrielle. Les frères Kouachi se garent finalement devant une imprimerie. Le gérant, Michel Catalano, commence alors sa journée de travail avec son graphiste Lilian. Il aperçoit les silhouettes noires par la fenêtre. Je me suis retourné, j'ai été vers Lilian, je lui ai dit « Écoute Lilian, il faut qu'on appelle les gendarmes. » Et là, la porte a claqué
Et j'ai compris que c'était trop tard. Donc là, instantanément, j'ai dit à Lilian, écoute, cache-toi, écoute ton portable. Et je me suis dirigé vers l'escalier. Le graphiste se cache dans un petit meuble sous un évier. Son patron fait face aux agresseurs. Je pensais que j'allais mourir. J'ai tout de suite pensé que c'était fini. Donc je suis parti vers eux pour lui laisser le maximum de temps pour se cacher. Ils sont arrivés en face de moi, ils sont levés. Et puis droit devant moi, ils m'ont dit « Vous nous reconnaissez ?» J'ai dit « Oui, oui ». Ils m'ont dit à ce moment-là de téléphoner à la gendarmerie. Une patrouille de gendarmes départementaux est la première sur place. Un homme et une femme qui vont se mettre en embuscade à quelques mètres de l'entrée. Shérif Kouachi sort alors de l'imprimerie et crible de balles leur voiture. J'ai entendu une rafale, comme ça j'estimerais ça à 5-6 balles, je pense, ça a fait talala. Et un espèce de bruit différent, et comme une espèce de bruit de ricochet, je ne sais, j'ai pas bien compris comment, qu'est-ce que c'était, un bruit sourd, et ça s'est arrêté, net. Ce bruit sourd, c'est l'un des gendarmes qui a répliqué. Il n'est qu'à 4 mètres de sa cible. Il touche Shérif Kouachi au cou. Le terroriste s'effondre. Mais la blessure n'est que superficielle. Shérif Kouachi rentre dans l'imprimerie. Les gendarmes se replient en attendant le GIGN. Les hommes du GIGN investissent les abords de l'imprimerie. Leur premier objectif, entamer une négociation avec les terroristes. La vie du patron de l'imprimerie et celle de son employé sont en jeu. On est prêt à lancer des contacts avec l'imprimerie, par téléphone, etc. On n'a pas le temps de le faire. On n'a pas le temps de les faire parce que les médias le font avant nous. À la rédaction de BFM, les journalistes savent déjà que les frères Kouachi sont retranchés quelque part dans la zone industrielle. Ils appellent chaque entreprise pour obtenir un témoignage. On finit par appeler l'imprimerie en question. Le téléphone décroche. Et là, l'un de nos journalistes pose la question en disant « Voilà, on me dit qu'il se passe quelque chose dans votre zone industrielle, peut-être dans votre entreprise, etc. » Et à ce moment-là, la personne lui répond « Oui, je suis Shérif Kouachi. » Et évidemment, là, on bascule dans toute autre chose. Shérif Kouachi revendique la tuerie au nom d'Al-Qaïda au Yémen. Et il se vante d'avoir trompé les services de renseignement. La discussion dure quelques minutes. BFM n'en diffusera qu'une petite partie le lendemain. Car ce vendredi matin, impossible de mettre à l'antenne cette interview réalisée en pleine prise d'otage. Je manque de ressort sur ce qu'il faut faire à ce moment-là. Voilà, je me dis, il faut prévenir quelqu'un, mais qui ? Enfin voilà, les choses se bousculent un peu dans ma tête. Je me dis, je vais appeler Manuel Valls. Donc j'appelle Manuel Valls sur son portable. Et lui... me dit, évidemment, j'en appelle à votre responsabilité, ne faites pas état de ce coup de téléphone à l'antenne, et évidemment, ne diffusez pas ce qui a pu être dit dans cette conversation. Évidemment, c'était notre intention. BFM envoie l'interview au PC de crise qui s'est installé à Dammartin. Plusieurs grands décideurs ont quitté le fumoir pour s'installer dans les bureaux d'une entreprise voisine de l'imprimerie. Les Kouachi, ils ont pu parler au téléphone à des journalistes, mais ils ont refusé de parler aux représentants des forces de l'ordre. Et tous les messages qu'on a pu laisser sur leur boîte, leur messagerie, il n'y a pas eu de suite. C'est très gênant parce qu'à partir du moment où les frères Kouachi répondent aux journalistes, moi je sais. Il n'y aura plus de contact. Je sais. C'est fini. On va appeler tous les quarts d'heure, on n'arrêtera jamais d'appeler, jamais ils décrocheront. Parce qu'en fait, leur message est passé. Donc on n'a pas pu engager la moindre possible négociation avec eux. C'est un vrai problème.
À l'intérieur de l'imprimerie, Michel Catalano est en face à face depuis près de 2 heures avec les terroristes. Il discute avec eux et finit par les convaincre de le libérer. J'ai eu le sentiment qu'ils allaient pas me laisser partir, mais j'ai pas voulu regarder en face ce qui allait arriver, je pense, parce que j'ai continué à marcher calmement, je me suis mis devant la porte. Face à lui, un groupe avancé du GIGN, protégé par un véhicule blindé. Les gendarmes le mettent en joue. J'ai levé les mains, j'ai dit « je suis un otage », et j'ai commencé à marcher vite pour partir. Et là, j'ai entendu « couchez-vous, je tire », première sommation. Donc j'ai continué, parce que dans mon esprit, je me suis dit « s'ils sortent derrière moi, que je suis couché au milieu de la cour », je pensais qu'il fallait que je m'éloigne. Donc j'ai continué un peu plus loin, j'ai entendu « couchez-vous, je tire », deuxième sommation. Et j'ai continué, et j'ai entendu « tirez pas, c'est Monsieur Catalano ». Michel Catalano apprend au GIGN que son employé Lilian est caché dans l'imprimerie. Les hommes de Laurent, le chef d'intervention, entrent en contact avec lui. Mais ils ne prennent pas ses réponses pour argent comptant. On sait que c'est lui qui communique avec nous par texto, mais il se peut qu'il soit sous la menace. C'est pas impossible que quand il communique avec nous, il soit sous la menace d'une arme. Donc c'est une hypothèse qu'on ne ferme pas. On a à un moment donné conçu l'idée de l'exfiltrer. Il faisait 1 ou 2 mètres, il ouvrait une fenêtre et il sautait. Il partait tout de suite et il était effectivement hors de portée des terroristes. Le problème, c'est qu'il y avait un risque effectivement à sortir de sa cache. Les terroristes étaient dans la pièce à côté. Il aurait suffi qu'au moment où il sortait, ils viennent et ils le voient. Et ça aurait pu très très mal se passer. Le directeur de la gendarmerie, Denis Favier, supervise en personne le siège de l'imprimerie. Lui qui a dirigé le GIGN prépare l'inéluctable assaut. À aucun moment, la reddition des frères Kouachi ne nous paraît crédible. Parce que je vous l'ai dit, toutes les analyses que nous avons pu faire, tous les retours d'expérience que nous avons fait de ce genre de crise, impliquant des personnages, j'allais dire, embrigadés, radicalisés, comme les frères Kouachi, nous savons que l'issue est une issue, j'allais dire, morbide, c'est la mort. Ils vont partir en tant que combattants, en tant que shahid. Monsieur Catalano nous dit dès le matin, quand on le débrief, ils ont dit ça allait se terminer là, ils vont tuer le GIGN. Hamedi Coulibaly vient de tuer 3 personnes au magasin Hyper Cacher Porte de Vincennes. Il retient de nombreux otages. Le RAID, qui était en soutien du GIGN à Dammartin, fonce vers Paris. C'est la première fois en France qu'on a à gérer 2 scènes de la sorte. C'est jamais arrivé. C'est très angoissant, c'est évident. On ne sait pas comment ça va terminer, quoi. Le convoi du RAID est stoppé sur le périphérique parisien. L'axe est complètement bloqué à cause de l'attaque porte de Vincennes. On descendit les voitures. Et en frapper au carreau des gens pour que les voitures s'écartent le plus possible de manière à ce qu'on puisse passer. Déjà, faire la circulation, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Les gens étaient très surpris, mais je pense qu'ils comprenaient le truc parce qu'ils suivaient les actualités à la radio. Il y en a qui sortaient des voitures, ils applaudissaient, ils étaient pro-police, allez-y. Voilà, enfin, c'était une ambiance, une atmosphère un peu particulière. On a même eu deux motards civils qui sont passés devant et qui nous ont ouvert la route. Et on a pu cheminer jusqu'à la porte de Vincennes, avec du mal, mais on est arrivé. Le RAID retrouve sur place des forces de police déjà présentes en nombre. C'est le patron de la PJ, Bernard Petit, qui dirige le dispositif. À ses côtés, le commissaire Christophe Molmy, chef de la BRI, l'unité d'intervention parisienne. Ces hommes sont déjà déployés autour de l'hypercacher. Sur le pont qui enjambe le périphérique, un PC de crise a été installé à la hâte. Dans l'un des camions, le négociateur de la BRI est en contact avec Coulibaly. Il travaille en duo avec une psychologue qui le conseille sur la stratégie à adopter. Ses premiers contacts leur laissent peu d'espoir.
Le négociateur, qui est quelqu'un de très réservé, très prudent dans ce qu'il dit, laisse quand même entendre que le preneur d'otages ne réclame rien pour lui. Ne négocie pas sa sortie ni rien, paraît soucieux plutôt de ce qui se passe ailleurs, et notamment à Dan Martin, et que des temps sont consacrés à la prière. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est au PC depuis les premières minutes de la prise d'otage. Les négociateurs fatiguent Koulibaly en le faisant parler, en essayant de voir, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas une once d'humanité chez le personnage. Il ne réagit pas à l'idée qu'il y a des enfants, une femme enceinte, etc., qu'on pourrait laisser sortir. Donc, mais en même temps, ils le font parler, ils le fatiguent. Hamedi Koulibaly a déjà tué 4 personnes. Il retient 10 otages au rez-de-chaussée du magasin. 6 autres se sont réfugiés au sous-sol, dans la chambre froide. Parmi eux, une mère et son bébé de 10 mois. Le terroriste menace de tuer tout le monde si le GIGN intervient à Dammartin. La situation à l'hypercachère est prioritaire à cause du nombre d'otages. Sur ces images tournées par le RAID, les policiers étudient les plans du magasin en prévision d'un assaut d'urgence. Et après, dans l'issue, des gondoles. 4 gondoles. On est en face d'un individu hyper radicalisé, qui est, à mon avis, déterminé. Bâton de dynamite, 2 kalachnikov. Il semblerait qu'il soit seul. Oui. Mais on n'exclut pas l'hypothèse d'un deuxième, parce qu'on a vu le deuxième. Voilà, okay. Mais il semblerait qu'il soit seul. Vous n'êtes pas les otages qu'on a eu au téléphone, certains en tout cas, ils parlent d'un seul. Voilà. 19 otages à peu près. En haut, en bas, répartis, on ne sait pas comment. Et possibilité éventuellement d'une ouverture de porte. Si on ouvre cette porte, il faut qu'on rentre. Les deux chefs d'unité commencent immédiatement des plans, un plan A, un plan B, pour les assauts. Donc tout ça est déjà en route. Moi, je sollicite l'autorisation. Elle ne vient pas tout de suite. Cette autorisation, seul François Hollande peut alors la donner. Il s'est enfermé dans son bureau depuis le début de l'après-midi avec ses principaux ministres et conseillers, dont Bernard Cazeneuve, qui est en contact permanent avec les policiers porte de Vincennes. Le ministre, dans un premier temps, va me demander d'attendre. Parce qu'il dit, c'est court. Est-ce qu'on a bien négocié? C'est court. L'autorité politique, comme l'autorité judiciaire, eux, préfèrent s'assurer, veulent être sûrs que la négociation a bien été poussée jusqu'au bout. Mais la situation semble de plus en plus désespérée. Comme en témoignent certains proches des otages, qui aident alors la police. Les familles qui sont présentes jouent un rôle aussi important parce qu'elles sont en contact avec certains qui sont à l'intérieur et qui racontent comment les choses se passent, et notamment une d'entre elles qui dit « mais là, il est en train de faire sa prière, dépêchez-vous, dépêchez-vous, il est en train de faire sa prière ». François Hollande donne son feu vert. Les assauts de l'hypercachère et de l'imprimerie de Dammartin doivent être simultanés, à 17h30, dans un peu plus d'une heure. Mais les frères Kouachi vont mettre en échec cette stratégie. On est déjà en fin d'après-midi, alors qu'on ne les a jamais ni vus ni entendus jusque-là. Une porte qui s'entrouvre, la porte d'entrée principale qui s'entrouvre. Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'ils sont avec l'otage? Tout est possible. Est-ce qu'ils veulent sortir? Est-ce qu'ils veulent simplement observer? On ne sait pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelques minutes après, juste un peu avant 17h, les deux frères sortent. Ils sortent en courant du bâtiment et ils engagent immédiatement le feu avec leur kalachnikov, vraiment de tous côtés. Les télés sont tenues à distance de la fusillade. Le GIGN encercle alors les terroristes. Des hommes sont devant l'entrée, d'autres dans l'allée qui jouxte l'imprimerie. Un petit groupe est même sur le parking juste derrière eux. Il y a aussi des snipers sur les toits.
Pourtant, les Kouachi ne tombent pas immédiatement. Ils ne restent pas figés devant la porte, hein, ce qui aurait été beaucoup plus simple pour nous. Donc c'est des cibles mobiles, très difficiles à traiter. L'un des frères se positionne derrière une voiture pour tirer. L'autre zigzague au milieu du parking. Ils ont des attitudes de combattants. Ils essayent de se poster, ils essayent de tirer en protection. C'est des attitudes de personnes préparées et ultra déterminées. Après 20 secondes d'affrontement, les terroristes résistent encore. Ils sont équipés de gilets pare-balles aussi. Donc ça met, voilà, il y a quelques secondes pour les neutraliser. Il y en a un qui tombe une première fois, qui se relève. Donc ils sont quand même vraiment déterminés. Les frères Kouachi sont morts, atteints par une dizaine de balles chacun. Le GIGN libère l'employé de l'imprimerie qui est resté caché pendant plus de 8 heures à quelques mètres des terroristes. Depuis son bureau, François Hollande ordonne l'assaut d'urgence de l'hypercachère pour éviter que Koulibaly ne mette ses menaces à exécution. Quand vous voyez ces hommes qui mettent le casque et qui partent, et vous vous dites, quoi qu'il arrive, dans 5 minutes, ça sera fini. Quoi qu'il arrive, ça vous chope les tripes. Et vous dites, pourvu qu'on ait personne au tapis. Alain est numéro un de sa colonne. C'est lui qui va devoir rentrer le premier dans le magasin. Juste avant de partir sur l'intervention, on se regarde avec les copains et on serre la main et on sait que voilà quoi, on sait qu'il faut y aller. Et donc il y a quelque chose de très fort, mais en même temps il n'y a pas de parole. Tout se passe dans les yeux. Donc voilà, avec les copains, on se regarde, on serre la main et puis on dit allez, c'est parti, on y va. Le plan prévoit que la BRI lance l'assaut. Elle doit attaquer par la porte arrière de l'hypercachère qui a été barricadée par Koulibaly. Tout repose alors sur le travail des artificiers. Ça met un certain temps à être mis en place. Voilà. On n'est pas, on peut pas se précipiter, parce que sinon on va rater le truc. Si la porte explose mais ne s'ouvre pas, c'est un fiasco total. Et là, pour le coup, Koulibaly peut se retourner sur les auteurs. L'explosion donnera le signal de l'assaut. La BRI doit neutraliser Koulibaly en entrant par la porte arrière. Le raid doit sauver les otages en ouvrant le rideau de fer de l'entrée principale. Ils ont la clé que leur a donnée un employé du magasin. « 17 minutes après l'assaut de Dammartin, la BRI passe à l'action. Mais les policiers restent bloqués devant l'entrée. Koulibaly a placé des palettes de nourriture entre lui et la force d'intervention. Voici la suite en temps réel. Deux colonnes du raid s'élancent, protégées par le camion blindé de la BRI. Quand le rideau se lève, j'essaye de prendre le maximum d'informations, de visualiser le maximum de choses. Et je vois donc un homme à terre, donc les jambes face à moi, et une mare de sang à côté. J'aperçois sur ma gauche quelques otages. Donc ils sont pas par terre, ils sont pas debout, ils sont un peu recroquevillés, enfin ça crie. Et juste au moment où je les aperçois, j'aperçois Koulibaly qui est pile poil en face de moi, quoi, les armes à la main. Je sens une cartouche dans le bouclier. Donc je prends une balle et je décide de décaler sur la droite pour ne pas rester dans son axe de feu, tout en continuant à tirer. Je glisse sur la mare de sang et je me relève très vite. Et en me relevant, il apparaît en commençant à courir. Je tire une fois et en fait, il est tellement happé par le feu nourri des collègues qui, eux, sont toujours dans son axe de tir qu'il va vers les collègues.
jusqu'à la sortie de l'hypercacher. L'assaut a duré moins de 2 minutes. Hamedi Coulibaly est mort. Les otages survivants de l'hypercacher sont enfin libres. Dimanche 11 janvier, une immense émotion populaire envahit la place de la République. Dix mois plus tard, le lieu s'est transformé en mémorial. Entre ces deux scènes, 130 morts, plus de 350 blessés, un massacre. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Il aura fallu les attentats du 13 novembre pour que la France prenne pleinement la mesure du changement d'air. Après Charlie, les policiers du quotidien ont réclamé des formations et de nouvelles armes pour pouvoir agir en cas d'attaque. Depuis novembre, ils commencent à être entendus. Les services de renseignement doivent tirer des leçons des failles de la lutte antiterroriste. Pour commencer, ils recrutent et une loi a été votée pour renforcer leur pouvoir. Car la menace ne faiblit pas. Plus de 10 000 personnes sont fichées pour leur lien avec l'islamisme le plus radical. Placé en état d'urgence, le pays est désormais face à deux objectifs contradictoires: éradiquer la menace terroriste et préserver ses libertés publiques. De quoi envisager de nouvelles nuits blanches pour les femmes et les hommes de l'ombre des cellules de crise.